qui met sa bouche dans tout, mais jamais de la politique. Ah, ça là, jamais. Je suis le bazooka fire, le tinik banani, l'ouragan terrestre, c'est moi. Le dozo, c'est moi. Le viking, le guerrier, le seul unique qui peut te ramener dans le Valhalla. La famille, ce soir, je pense que je vais choquer beaucoup de personnes. Ce soir, je sais que je vais encore me faire des ennemis, comme d'habitude. Nous sommes en démocratie. Ce que je vais dire ce soir va plaire certaines personnes, va déplaire certaines personnes, mais c'est comme ça la vie. On ne peut pas être tous d'accord sur les mêmes sujets, sur les mêmes faits. Mais ça n'empêchera pas que le Moro n'a pas le droit d'aimer aussi, dira ce qu'il a à dire. J'ai toujours l'habitude de le dire que je ne suis pas un suiveur, je suis un roi. Je suis un king, je suis un meneur. La famille, vous avez constaté depuis 2 ou 3 jours sur la toile l'histoire de notre sœur. Petite sœur, grande sœur, Difa. C'est l'histoire d'une femme qui m'avait contacté dans les années 2020, si je me rappelle bien, et elle m'avait expliqué tant de problèmes suite à un accident et qu'elle avait perdu ses 2 membres, c'est-à-dire ses 2 pieds ont été coupés. Ça m'a attristé, ça m'a fait de la peine de voir une femme qui, depuis son bas âge, sait marcher, sait courir, sait aller à ses occupations. Et d'un jour au lendemain, elle se réveille sur un lit d'hôpital avec les pieds coupés. J'ai été tellement attristé par la situation et j'ai demandé ou bien j'ai décidé de la faire un aide ou de la porter mon aide. En l'espace de quelques jours, nous avons récolté ensemble presque une somme de 400 000 francs CFA. Et j'ai demandé à mon ami, mon frère, mon jeune frère, Jamal Doudou, si vous pouvez me le taguer, qui s'est déplacé aller jusqu'à chez elle pour la remettre les sous. Après l'avoir récolté les 400 000 francs CFA presque 2 semaines, Difa en question m'a recontacté et elle voulait encore que je l'aide. Et je l'ai expliqué en la faisant comprendre que, écoute ma sœur, tu n'es pas la seule handicapée sur la toile. Je viens juste de te recueillir presque 400 000 francs CFA. Il y a des gens qui sont dans des situations encore plus pires et plus difficiles que toi. Je ne peux pas prendre tout mon temps et toute ma vie à t'apporter mon aide. Et catégoriquement, j'ai été ferme. Tonton Roko Folie, bonjour. J'ai été ferme et j'ai décliné son aide. Bon. Il y a 2 jours, j'ai été contacté par une des sœurs qui m'expliquait un peu la situation d'une sœur togolaise au nom de Difa, à qui j'avais déjà eu affaire des collègues de fonds dans le passé, qui l'a appelée un beau matin en la demandant qu'elle veut qu'on l'aide avec une somme de 20 000 francs. Je parle de la sœur Tata Coclo. Et cette dernière s'est dit, tu veux 20 000 francs?
Pour faire quoi? Elle a dit qu'elle avait accouché par césarienne et il y a des médicaments qui lui ont été prescrits. Elle était amputée du pied. Et que le père de son enfant a fui. Adaka a vendu Mudok Benon. Je me rappelle que bien même dans l'histoire, Adaka aussi avait acheté un frigo, si je ne me rappelle pas. Alors, le bout de temps, Adaka a pris le frigo à l'époque. Au coco, maintenant, mais ma mère. Je me rappelle plus, mais je sais qu'Adaka, comme elle aussi, avait participé. Donc, la soeur s'est décidée, ok, tu m'as demandé 20 000. Tu m'en arrêtes ton histoire. Tu es une femme. Tu as des pieds amputés. Il y a un mari qui t'a enceinté, qui a fui avec 3 millions de sous de vente de terrain de ta mère. Ça l'a fait de la peine. Ah voilà, Adaka dit oui. Et la sœur en question, en espace de quelques jours, Clo-Clo a réussi à la trouver en tout 400 000 francs CFA. Oui, 400 000 francs CFA. Et c'est là que Coco a commencé par savoir, à découvrir de suite. Benené Mianovia, elle avait l'habitude de demander de l'aide sur les réseaux sociaux. Et bien Mathieu Nyasimbe, et bien Aristo. Elle est passée par tous les blogueurs, influenceurs de Facebook. Elle est repassée par tous les TikTokers et les TikTokeuses de réseau TikTok. L'affaire a pris de l'ampleur. J'étais très remonté. Sans vous mentir, j'étais très remonté. Parce que j'étais remonté par rapport à quoi? Déjà, la soeur a pris de l'assurance. Mais chaque temps, elle a devant les réseaux sociaux, on vient à Mobolé Djanganaï. Je comprends. Tu es dans une situation d'handicap. Tu n'as plus de pied. Oui, tout ça, c'est compréhensif. Mais on ne doit pas abuser de la gentillesse de la population. Non. Personne n'a le droit d'abuser de la gentillesse de la population facebookale. Non. On veut bien aider les gens. Mais ça ne doit pas être une habitude que la même personne va revenir chaque 2 mois, chaque 6 mois, 1 an, tous les jours pour les mêmes effets. Si c'est comme ça là, nous tous on n'a qu'à couper nos pieds, on va demander de l'argent. On va voir qui va aider qui. Là je dis non. J'étais très remonté parce que sur les réseaux sociaux j'apprends que la sœur, quand on lui a cotisé les 400 000 fois dernièrement par la sœur Coco, et ça dans ce là, les bas, c'est là même que les choses ont été gâtées. Là, je ne suis pas contre les vaudous. Je ne suis pas un adepte de vaudous. Mais je respecte la religion de chacun. Mais, venu sur les réseaux sociaux, demander de l'aide, parce que tu as faim, parce que tu es malade, parce que tu as un bébé à la main, parce que tu veux acheter des médicaments pour un bébé, et on te cotise 400 000 francs, et on avait son gars pour aller donner à un féticheur, là, je ne suis pas d'accord. À mes matins, je regarde le Facebook dit, yo, la soeur garçon est là, ou non. Ote notre bébé, pendant que nous n'avons pas, ote promet, nous n'avons pas de bébé. Au matin, je regarde le Facebook dit, à je regarde dans les actions sociales, ben, soeur est là, fada, et pasteur, ou non, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis chrétien. Mais si un chrétien vient ici, yo, tu as gagné. Yo, bébé, nous c'est quoi, bébé, sans gavé, na, bébé, passe-toi. J'irai jusqu'à l'église, retirer les sous dans la main du pasteur. J'irai chez le pasteur, retirer les sous. Mais, la colère qui m'avait animé la dernière fois, m'bidi souba, mais, nous, quand même, allez, voyons. Oh, yo, nous, obé, nos problèmes. Déjà, le peuple t'accuse d'être une escroc. Moi, je ne te dirai pas que tu es une escroc, Difa. Je comprends. Moule Yovode, Yovode Togbogbo, on te comprendre après situation. Mais à mes si affolé, y'a mes leçons. Nuere, mouni handicapé de naissance. Et d'un beau jour, un bon matin, on l'appelle, où elle se réveille. Après un accident, elle retrouve tous ses 2 pieds coupés, mentalement, psychologiquement. Ça serait très compliqué à accepter. Mentalement, psychologiquement, cette situation, que tu ne te retrouves
du jour au lendemain, brusquement, brutalement, coupé des deux pieds, aura des conséquences négatives sur ta vie jusqu'à la mort. Je comprends que tu traverses des épreuves dures. Et c'est même si tu vas continuer pas me dire patati patata, m'a bloqué. Ah mais les noirs, vidéo, il y a des, tu n'as pas dit que j'ai joué la chanson des Kotokoli. On t'a dit que c'est tous les Kotokoli qui comprend Angna. Vous êtes là crier éveille. Les éveilles sont le seul peuple au Togo. Les Kotokoli ne sont pas des Togolais. Les Kabyé, ce n'est pas des Togolais. Les Tokosi, les Konkomba, tout ça là. Vous pensez quoi? Tout ça là, c'est éveille. Vous êtes là écrit éveille. Et puis après, éveille c'est quoi? Moi je ne suis pas éveille, je suis Mina, Adama. Oh! Éveille, puis quoi? Adama. Donc on n'a pas le droit de parler pour les Kotokoli. On n'a pas le droit de s'exprimer pour que les Konkomba, les Tokosi, les Moba et puis les autres là ne comprennent ce qu'on dit. Éveille, puis quoi? Revenons à nos moutons. Le problème, je comprends, mais là, on est dans une situation où on est en train de marcher sur les œufs. Oui, on marche sur les œufs. La sœur en question, je sais que tu es atteint psychologiquement par rapport à ta situation. Oui. Et beaucoup ne comprendront pas ce que tu traverses. Même moi, au début, je n'ai pas compris. C'est parce que j'ai suivi le live. Ce matin, le live de Landry Lacanciel. Et j'ai eu un grand frère aussi aux États-Unis qui m'a appelé. Et d'ailleurs, je profite pour lui dire un grand merci. Parce que ce grand frère m'a fait une belle surprise ce matin en m'envoyant quelque chose. Je te dis un grand merci, grand frère. Donc, après avoir écouté le direct de Landry, j'ai vu les choses des deux côtés. Je les ai présentés du haut et du bas. Celui qui est du haut, il va voir c'est du 6. Celui qui est du bas, il va voir c'est du 9. Ça dépend de la position et de la direction de chacun. Ma soeur, je ne vais pas te lapider. Je ne vais pas te jeter des pierres. Je ne te jeterai pas non plus des fleurs. Mais il y a deux petites choses que je vais te dire ce soir. Et après, je t'apporterai mon soutien personnel pour t'aider à faire ce que tu as envie de faire pour la dernière fois. Ma soeur, ce soir, je ne te lancerai pas des pierres. Mais j'ai deux petits mots à te dire. Il y a deux choses que tu as fait que je n'ai pas aimé. Difa. Mba sebena, parce qu'à Fosonaya, tu es devenu une priorité. Mais là, non, bien les réseaux sociaux d'Io. Non. Il y a des gens qui sont dans des situations pires que toi. Amo le imbos nam kouvit banon, on y vivait mineur, et tomou le nomou le, tu en vis. Oya ma ouve nou, au télékwamo, au joga une fois, au joga deux fois, au joga trois fois, au joga quatre fois, à mon or, chaîne en or, à Dakar. Et plé, frigo, yéyé, moudon kou grand, mais ça va non, bah ça s'assit. N'yentom ou apporter soutien non, financièrement. Tu n'as pas réussi à t'en sortir. Pourquoi? Il faut que tu saches, menore, gake ma fo no e siare, nyonu ke kenya le pokale, tu ne l'es plus aujourd'hui. Il faut que tu acceptes ton handicapé. Ton handicapé à la nyou. Il faut que tu acceptes, les choses ont changé. Pense à réaliser quelque chose de très important. Nes sitan la sari. Le bena sasia. Kudo koutri koukou. Na kayo la sari. Le bena panasa. Moukal direkbe. No doak panak bodi. Yo, fort matin, au lessi, à face au soir,
va la cité dit yo nani na me révèle il est pas ben non via a forcené voilà doit y aller ça nous la bodita ne non peut plus mou dio tu as la plaie pour te donner du soutien difa effectivement yé le nyinuko a moment te cho gano yo la va ça me bo be gaso va ina voduo non a même te cho gano yo la so ga so be na voduo non impossible no gbadu gbe le vodupe no gbadu ne pe le vodupe tare ça n'engage que toi personnellement et puis t'es ou non on va bien faire mille. Il y a mon pas situation où on pas bébé vignéng la l'homme non on pas ma formulation on pas bon les situations compliquées mais qu'au coup de via mia dounou on a déjà ça galère dans honoré be dobe ye honala na nyela ça galère ça ple papa coup de pas la nous sera bi la dounyela la pour gang ko kaka salado va au coup de via dans le oubi côté moi. Je ne suis pas d'accord pour toi. Amérem biona galère réseaux sociaux dit sobe nana hunobe so tugbedo. Amérem biona galère réseaux sociaux dit sobe nana malam le mosquée. Amérem biona galère réseaux sociaux dit sobe nana pasteur le toti robe. Non! Je ne cautionne pas ça. Voyez bien. Je veux que tu me dises. Non, la fille le suivre direct yari. Qu'est-ce que tu fais qu'on te fasse pour prendre ta vie en main? Je me disais numéro causant ça au bazanéon. Voix major, je suis prêt à t'apporter mon soutien personnel pour t'aider à faire ce que tu as envie de faire ou ce que tu veux faire. Non, la filière me le yo. Il faut la finale de que tu appelles pour qu'elle me dise ce que tu veux qu'on te fasse. Allô? Allô? Oui, moule direct, mais qu'est-ce que tu as dit? Mathieu n'a signé au fond à Difa. Ouais. Ok. Et, nous avons dit les gladis depuis son histoire, Kawanegbe. Et, j'ai décidé, mais je m'en vais fier là-bas. Et nous, que tu envoies, tu Fifi Andonya Remabio, nous quand Dibo Awonayo, qu'est-ce que tu veux réellement faire? Odibe Asanu. Ok. Nous quand Odibe Asan. Alimentation générale est d'ordinaire. Alimentation générale est d'ordinaire. Parce que on y a même du Ghana et Suba, mouni recao, mouni coco recao, ame Suba perentio, op le frigo non, mi on ouvre non, réseau sotomique perentio, que mi la tewo, y a un pape, oh tiens une onde ka, que t'as deux chances de ne le griadi, ekbea, mvakbao, en tant que sœur, que malgré tout ce qui s'est passé, je mets ça dans le passé, ce qui est fait est fait. Qu'est-ce que Mathieu Nyasimbe peut faire pour toi? Pour t'aider. Tu as besoin de combien, né à son salon? Mais je veux que tu appelles un sou et que tu restes dans la limite du raisonnable. Tu as besoin de combien? Mais à son salon,
Jifa. Tu as besoin de combien? Nyembeo, nyembeo, pobe, la tête sur toi, joke, le dieu. Oui, Mathieu, j'ai besoin de 200 000, j'ai besoin de 100 000, j'ai besoin de 500 000. De que le dieu, de que Mathieu Ponaoya, tu as besoin de combien? Parce que je te donne une chance. Je suis en train de te donner une chance ici. Et Vilasio. A forme Balasio. Contre le blombé à Sanoir et collé le projet dans nous Sassaré. Au moins, il y a un équipe qui a fait un projet au Dobé à Sassanoir. Tonton Mathieu. Oui. Ma blonde, je dis bien. Oui. Si c'est bien, si c'est bien. Même ma wagba d'or à Siri. Ni ma non sanou les gommes, ni ma non pote. A même la signe là, non pile. D'accord. A même la signe, ma yo, si bien, même doit si ma terre, elle va pote. Autrement, il sauve à Roma. Ok. Donc, ma foi a filé que même les sanouléa. Oui. N'est pas et moi la tifon. D'accord. Voilà, elle a tenu un bon édifané pour Covid et à l'eau, conteneur vite cridia. Gamme a ni mouon, les fous, les wondia, n'yabéya, et ni à la signe, ni formaté à ma vedoua si banaïdi. La nôtre. N'est pas ma bavaya homo. D'accord. Ce soir là même, tu serais sur un volcan en train de prendre feu. C'est parce qu'à formulation, il y a une vie, ou à Mousseignacou blanc, et je ne me pas mauvais commentaire, car on m'a laissé ta nom. Afin que tu puisses réfléchir et revenir vers moi. Il n'y a pas de souci. Je te laisse le temps. Tu vas réfléchir et tu reviens vers moi. Et moi et mes collaborateurs, alors avec mes donateurs, on verra bien ce qu'on peut faire pour toi. Océa. Mais il n'y a qu'à l'intriguer. Et je veux que tu me dises la vérité. Et viobe toi, fika mele odifa. Tonton Mathieu, il y a un qui dit au Philippe, il y a un qui est blanc et poué. Ah oui, et on y a un qui est vieux, mais il y a un qui est vieux. On peut avoir un numéro de téléphone. C'est une longue histoire, alors. Il y a un qui est vieux. Et une longue histoire, à que au crime, il est caca et médofouno. Caca, evas, ovas, à nos banniba. Oui. Oui. Bon, d'accord. Problème là, je pense que. Bon. Si tu ne veux pas en parler. Eh bien, qu'on s'anime à son gagné que mes signaux ont porté plein de cimetières. On t'en pas mais nous sous quel dos. Imaginez des collègues qui me les font la signer, il faut la signer. Si bien y'a tant que qui me bat si bizarre, de à forme la signer, il faut la signer. Maman va y nous dire mais on l'a nous dit. On dit les filles qui viennent on a. N'y a un peu là, il n'y a rien qui est bien avec le bénin. Kafla, avec toi qui est normal, y'a pas nous aussi à fond, on soit fondamental.
yo odofuna ne be nyonu owo nu suke do afo ameve. Je ne sais pas comment les gens peuvent avoir un cœur aussi méchant. Pour moi, c'est de la méchanceté. Parce qu'avoir une femme qui aujourd'hui n'a plus de pied, tu l'enceintes, tu prends son argent, tu fuis, tu la laisses dans la galère avec le bébé. Non, nous sommes de la sotana, oui. Ah ben oui. Oh, ma tête de fou, mais qu'est-ce que c'est que oh, maintenant, je suis là, et fou, mais qu'est-ce que c'est que ça? Yo, la femme, mais avec la terre, attention, mais à coup, bébé, vis-à-vis de la terre, on y nous soit. C'est de la pure méchanceté. Nous sommes de famille, moudo numéro de téléphone. Donne-moi son numéro de téléphone, on va le retrouver. Donne-moi sa photo, je te donne 24 heures que je le ferai sortir. Vous voulez que j'en ai mouillé, et mouvage en samedi, 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 que mi año no ave mi American por la rea me esto no ve que ve el baja ya con la rea me ve un dona jova es que el camino es verbo y él es se ya le dan un libro y él es el cáncer una me ave y le di ve ya con aventura ya diva o funangoli angoli ya me eh todo más bien da dos voy a morir ah pero wey porque angoli Dès que la nani, homme de citoyen, homme de citoyen, homme de citoyen, homme de citoyen, et va de vous, divi, hoga, boum, il a disparu de la nature. Mais, c'est un angoli, ça reviendra. On va foutre un angoli. Mais non! Non! Oh! Ah! Mais moi, je te dis la vérité, on va foutre un angoli. Ah oui, et moi, quand j'ai deux tamis, maman, tu es en demandant rendez-vous pour moi. Quand j'ai deux tamis, on va faire ça, maman, maman, on dit coucou, grand. Oh! Diffa! Titonien, maou, en des capes, Diffa, maou, qui on est, on y a un gars, 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 on y a un Non, dis-moi, dis-nous souvent, il a quoi là? On y a fait quoi là? Au clair. Pour le moment, dis. Et Vindi a dit, il y a la loi maintenant. Ma foi, bon, ma foi, le cogné, bon, qui est bon. Ben, ma fille, il y a un dibé, il y a un mao, il y a un java. Nyembe mati din to choni ato nyembe ma unive nuni parce que tato mati tuto ma ukoso ni sonu kolejwa nyembe dano zamu nyembe le dunu chon parce que nyembe nyamu ke nyembe le lekesan nyembe nyamu ke monyama mu le lekesan oui ça je comprends et je sais ni moi kaka egbe fifia imagine lava noni nu nyembe mti zando madano vivi sisi dede nu madu kaka toa juria Dounou. Non, le Dounou, non, elle est maintenant, non, mais non, déjà là, non. Non, Dounou. Dounou. Je suis un Kemi Wani, soyez mon nom direct à mère. Kemi va ou au Vomba Maniambe, ou les sous, il fallait tout, nous qu'un job. Et j'aime les biens de Kouni Kakane, et ou Bema Wandina de Kouni, alors moi, on bébé pour de Kouni, ma Kouni, ma Bébé. Deka kuru. Akpasa. Opa. Onuwa tim leto nabe angolio divina. Angolio ele onuwa yobe yaku. Deka kuru. Adi bebe vijarebe yakuwa. Onja kuru bobo. Leke nwa le wombwa yin le blona alo. Leke nwa le wombwa yin le blona alo. Dako. So mase yomi mbleza de ambato. Et n'y a que pas de bonheur à Redifa. Aujourd'hui, moi, je ne dirais pas aux Togolais que tu es une escroc. Non. Et tu n'es pas une escroc. Tu n'es pas une anarcheuse. Et je confirme et je le certifie devant les 400 personnes connectées. Amérique, quand je suis un escroc anarcheuse ou non. Mais,
je vois qu'elle s'est laissée aller. Il y a eu un laissé aller. Elle a pris goût de la chose. Et Nyabé ne va pas me dire que mais elle n'est pas une anarcheuse. Elle a ses défauts. Oui, certes. On ne va pas la jeter les pierres. Ce qui est fait est fait. Maintenant, comment l'aider définitivement à ce qu'elle en se remette? Nyamoukou, je vous dis à Mila Nyanya Kemele Blanc. Na Folasio, Ozona. Et un bon matin, tu te réveilles dans un lit d'hôpital avec les deux pieds amputés. Psychologiquement, les conséquences pèseront sur toi jusqu'à ta mort. Je comprends. Si elle est Nyang Brenawa, Nyama Dakpeo, voir. Je pense bien à mes sous-balles le prêt pour te donner une dernière chance à ce que tu puisses te remettre en place. Mais au bout ta mère, reste dans les limites du raisonnable. Je ne sais pas si tu as dit 10 millions. Et moi, je ne sais pas si tu as dit 10 millions. Eh, on n'entend pas, moi, les gladiaux, bien, baba, gabobé, on le dit, petit, 5 millions de nègres, pour y'a son savon, aïe, aïe, gab, et gabia, bah, mais, à ton âme, mais, il dit, petit, 5 millions, petit, 5 millions,